Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast en mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tex Care et financé par la région Hauts-de-France. Dans les six épisodes de cette saison 2 consacrée aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à Lancet, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce deuxième épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire consacré à la teinture des vêtements, je reçois Anne Perwels, professeure à Lancet, chercheuse au laboratoire GEMTEX et cofondatrice de la chaire Tex Care, et Ousha Masika Behari, maître de conférences habilité à diriger des recherches dans le domaine des écotechnologies et biotechnologies textiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne et Ousha, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet... Euh, complexe euh, qu'est la teinture des vêtements. Euh, alors on va commencer avec vous Anne sur euh, donner une définition un petit peu de comment se passe la teinture d'un vêtement, quels sont les procédés chimiques ou naturels qui rentrent en jeu pour teindre un vêtement. Donc euh, bonjour à tous, merci. Euh, ben, la teinture d'un vêtement comme tout le monde le sait c'est une manière de, de mettre de la couleur. Sur un tissu qui deviendra un vêtement. Euh, il y a aussi une autre manière de, de mettre de la couleur, c'est par l'impression. Dans le cadre de l'impression, on a un motif, euh, alors que dans le cadre de la couleur, c'est uni. Alors, je, dans le cadre de ce podcast, on parlera seulement de teinture. L'impression, c'est des procédés assez différents. Euh, donc, de la teinture, on, on prend simplement de l'eau euh, et on rajoute des colorants et puis quelques additifs chimiques. Et euh, on va chauffer cette eau euh, et, et euh, on va mettre bien sûr le tissu à l'intérieur ou le ou le fil ou le vêtement et euh, pendant un certain temps pour que le, le colorant rencontre le tissu euh, le, je vais dire tissu euh, et puis aussi pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de la fibre. Quand euh, tout ça est fait, ça, ça peut durer euh, un quart d'heure, mais ça peut durer aussi euh, une heure ou une heure et demie. Ça dépend des tissus et ça dépend euh, des colorants. Euh, on va opérer, les, des, on va faire des opérations de rinçage. Alors d'abord, on va savonner parce qu'il y a toujours du colorant qui est posé sur le tissu mais qui n'est pas accroché. Donc on enlève euh, ces colorants non fixés et puis on va rincer plusieurs fois. Euh, éventuellement à différentes températures etc et puis on va ressortir le tissu de, de l'eau et on va le sécher euh, alors le choix du colorant va dépendre de la de la nature de la fibre parce que tous les colorants n'ont pas la même affinité avec par exemple le coton ou avec des fibres synthétiques euh, donc ça on va adapter euh, ce qu'on appelle la recette euh, à la nature de la fibre ah, donc, avant de faire tout ça, le plus souvent, même toujours, pardon, on fait un pré-traitement. Et euh, ce pré-traitement, ça consiste à nettoyer le, le, le tissu pour qu'il y ait aucune impureté dessus, sinon ça va faire des taches au moment de la teinture. Donc, ces impuretés sont, pour les fibres naturelles, des cires, des graisses ou des pigments, par exemple, qui rendent, le, qui rendent la fibre de coton écrue. Euh, pour, pour toutes les fibres, ça, ça, ça sera des résidus, des huiles déposées sur, euh, sur les fils et sur les tissus lors des opérations de fabrication, par exemple euh, la filature ou le tissage. Euh, ces huiles sont des lubrifiants qui sont indispensables aux opérations précédentes. Donc, on commence donc par nettoyer la fibre, on fait la teinture et puis après, on la sèche. On sèche le tissu. Euh, Ensuite, on peut rajouter un traitement complémentaire qu'on appelle des traitements d'après, euh, qui vont donner des propriétés supplémentaires comme anti-tache, anti-froisse, anti-UV, anti, 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 anti ou unifuge. Voilà, donc euh, ça, c'est pour brosser très rapidement toutes les opérations qu'on peut faire euh, pour ennoblir un tissu. Et alors, comment on définit euh, la, la qualité d'une teinture Sur quels critères on peut se baser alors pour la teinture, la première, euh, le premier critère c'est la bonne couleur. Il faut que ce soit exactement la couleur qui est demandée par, euh, enfin, qu'on veut avoir. Donc souvent il y a des cahiers des charges pour donner la couleur voulue par le styliste. Euh, il faut aussi la bonne intensité de couleur, hein, que ce soit pas trop clair, pas trop foncé. Et alors quelque chose de plus, plus compliqué c'est la, la bonne homogénéité. Il faut que la couleur soit homogène, qui est euh, uniforme, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, ce qui est plus difficile à, à avoir et souvent les additifs chimiques contribuent à cette bonne homogénéité. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la solidité. Il faut que la couleur dure dans le temps, euh, qu'elle ne parte pas au premier lavage, euh, qu'elle soit stable euh, à la chaleur et, et surtout aux UV euh, sur, pour les vêtements extérieurs. Euh, il ne faut pas que la veste euh, qu'on porte change de couleur en fonction de la lumière. C'est sûr, ce serait un peu embêtant. <laughs> euh... Là, on va parler un petit peu plus, on va s'attarder sur euh, l'environnement, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi euh, plus particulièrement dans ce podcast. Donc, Quels sont les impacts de la teinture sur l'environnement le, le premier impact, c'est bien évidemment euh, l'eau. On utilise beaucoup d'eau. Par exemple, pour un kilo de, de, de tissu, on va mettre euh, au minimum 10 kilos d'eau. Euh, le plus souvent, c'est 20 ou 30 kg ça fait des quantités assez importantes. Et puis, cette eau va, va être aussi polluée. Je vais en reparler après. Donc, euh, la quantité d'eau importante va générer aussi une quantité d'énergie importante puisqu'on chauffe cette eau. Euh, et donc, euh, et le deuxième impact très important, c'est évidemment l'énergie. Euh, cette énergie chauffe l'eau et cette énergie aussi euh, euh, va servir à sécher. Les, les tissus, une fois qu'ils sont sortis de, du bain de teinture. Euh, et, et, et là, euh, ça, ça peut être des quantités très importantes, puisqu'il a, a, ça contribue à l'évaporation de l'eau. Euh, donc, on, il faut qu'on mette beaucoup plus d'énergie. L'énergie peut contribuer à, 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 à générer des gaz à effet de serre et donc à modifier le, le, le climat. Euh, l'eau évidemment on en parle beaucoup aujourd'hui euh, euh, contribue aux, aux sécheresses et on peut avoir on devient une ressource de plus en plus rare et la, la troisième le troisième impact c'est bien évidemment la pollution de l'eau par les produits qui vont se retrouver dans l'eau à la suite de toutes ces opérations de teinture et d'ennoblissement euh, donc en premier euh, les produits qui sont contenus sur les, sur les fibres dont j'ai déjà parlé, donc les graisses, les cires, les lubrifiants. Euh, donc je vais les mettre dans la catégorie des produits organiques. Euh, le, le deuxième type de produits, euh, ce sont les additifs qu'on met euh, pour faire la teinture. Et là, on va retrouver aussi des produits organiques, mais cette fois-ci plutôt de synthèse. Euh, ce sont des tensioactifs et des polymères. Donc, ils vont euh, générer le même type de pollution. Et les, le troisième type de pollution, c'est euh, les sels euh, qu'on qu peut rajouter euh, dans, dans l'eau, donc des, des sels de sodium ou, ou, ou des, des, des carbonates, etc. Euh, donc, tout, tous ces produits euh, peuvent être traités et le plus souvent sont traités par des stations d'épuration. Je n'ai pas du tout d'idée dans, dans les pays producteurs euh, comme l'Inde ou la Chine, euh, le pourcentage de stations d'épuration qu'il y a derrière, euh, derrière les, les, les usines de teinture, euh, c'est pas 100%, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a vraiment euh, des gros efforts qui sont faits dans ces pays pour, euh, pour mettre des stations d'épuration. Donc la majorité de ces polluants sont traités par les stations d'épuration. Et euh, l'autre, euh, s'il n'y a pas de station d'épuration ou si la station d'épuration ne fait pas son travail à 100 donc on va se retrouver avec deux, deux types majoritaires de pollution. La pollution organique, euh, des molécules de synthèse et des graisses et cires. Et puis la, les, la pollution euh, par les sels. La pollution organique... Euh, Va générer ce qu'on appelle l'eutrophisation de l'eau, c'est-à-dire que euh, euh, ces produits vont consommer l'oxygène qui est contenu dans l'eau. Cet oxygène est nécessaire à la vie aquatique puisque les poissons euh, respirent dans l'eau et donc ils respirent de l'oxygène, exactement comme nous. Euh, donc, euh, si ces molécules privent l'eau de l'oxygène, l'eau euh, euh, pardon est polluée euh, par eutrophisation. Ça, c'est l'effet majeur. Euh, L'autre effet, ça peut être un effet de toxicité si les molécules qu'on utilise euh, ou qu'on rejette sont toxiques. Euh, Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de contrôles à, à ce propos, mais on ne peut pas exclure une certaine toxicité. Le deuxième type de pollution, c'est euh, les sels, donc qui modifient la salinité de l'eau et qui va donc modifier ses propriétés. Et le troisième type de pollution dont j'ai pas parlé, c'est effectivement s'il si, reste du colorant un petit peu dans l'eau. Euh, les colorants qu'on utilise, euh, les colorants synthétiques sont très puissants. Et donc, il suffit de très peu de colorants, 1 ou 2%, pour avoir une couleur. Et donc, on a tous vu à la télé, hein, tous ces reportages qui montrent euh, des, des rivières rouges ou, ou vertes ou bleues, euh, colorées par les, les excès de, de colorants issus de, de ces usines. Euh, donc, c'est une pollution qui est très spectaculaire, qui aussi euh, absorbe les rayons lumineux dans les rivières ou dans les, les lacs récepteurs, et qui peut poser aussi de, de, des problèmes de biodiversité. Ça, 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 ça perturbe euh, l'écosystème. Mmh. Oui, on voit que les impacts sont quand même assez larges euh, de la teinture sur l'environnement, que derrière l'eau et l'énergie, il y a pas mal d'enjeux derrière. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'on euh, doit aussi. Il euh, y, y a beaucoup d'attention aujourd'hui sur cette, sur cette question de, des produits chimiques, hein, bien sûr, et aussi la, la question de, de bien de bien développer les stations d'épuration euh, qui, qui sont euh, essentielles pour euh, pour stopper la pollution à la source. Mmh. Oui. Donc on a on a détaillé là, les, les impacts de la teinture sur l'environnement, ce qui est intéressant aussi c'est de savoir comment on peut réduire ces impacts. Euh, donc il y a différentes innovations, les éco technologies, les colorants naturels. Euh, donc Ousha peut-être qu'on peut voilà revenir un peu sur les solutions qu'on a à notre disposition pour euh, réduire les impacts de la teinture sur l'environnement. Oui bonjour à tous. Donc... Euh Parlant de, des écotechnologies, alors c'est quoi les écotechnologies pour la teinture des textiles Ce sont des technologies qui peuvent permettre de réduire la quantité d'énergie et d'eau utilisée, mais aussi de moins polluer l'eau. Alors plusieurs de ces écotechnologies sont en cours de développement. Il y en a qui sont déjà existants. Pour certains types de textiles, par exemple, on, je vais prendre en premier le CO2 supercritique et je vais définir ce que c'est. Alors, celui, ce, cette technologie qui est le CO2 supercritique est utilisée actuellement en entreprise euh, pour la teinture du polyester. Alors, le polyester, c'est quand même 65% de la production mondiale textile. Donc, le fait qu'on utilise cette éco-technologie va permettre de réduire les impacts environnementaux. Alors je, je sais quoi le CO2 supercritique donc alors pour teindre madame Perwels vient de dire qu'on utilisait d'eau et d'énormes quantités d'eau surtout lorsqu'on fait une teinture en plein bain. Ici, on vient remplacer l'eau par le dioxyde de carbone. Alors, les dioxydes de carbone, ça existe dans l'atmosphère, mais c'est aussi un gaz qui est émis par les usines. Et quand il y en a trop, ça fait le réchauffement climatique. Donc, on peut utiliser ce gaz. On peut le soumettre à une pression et à une température euh, pour le transformer dans un état supercritique. C'est pour ça qu'on dit CO2 supercritique. Et à cet état excité qui est ni gazeux ni liquide, le CO2 supercritique est capable de solubiliser les colorants hydrophobes et les transporter à l'intérieur des fibres hydrophobes telles que le polyester. Donc le polyester hydrophobe. Le CO2 supercritique va solubiliser les colorants. Et comme c'est dans un état excité, ça peut aussi forcer son entrée à l'intérieur du polyester qui est hydrophobe. Ensuite, en, en baissant la pression, il y a le CO2 supercritique qui se transforme en gaz, ça sort en, à l'extérieur de la fibre et le colorant reste immobilisé à l'intérieur du polyester et on obtient une fibre colorée. Voilà, c'est tout simple. Alors, l'avantage, c'est quoi On n'a pas besoin d'utiliser d'eau, on n'a pas besoin de sécher par contre, on va utiliser l'énergie quand même pour, euh, euh, pour solubiliser le colorant dans ce CO2 supercritique et aussi pour transformer le gaz euh, de CO2 en état supercritique. Bien sûr, on va éviter l'utilisation d'eau et surtout, on n'émet pas de polluants dans l'eau. Donc, plusieurs avantages. Pas de séchage, euh, le, le CO2 supercritique est récupéré, on on n'émet pas de polluants dans l'eau alors l'inconvénient c'est que aujourd'hui euh, cette technologie est limitée à la teinture du polyester qui est un, une fibre hydrophobe alors, des recherches sont en cours pour cette technologie, pour pouvoir l'utiliser sur des matières naturelles telles que le coton, la laine, la viscose, qui sont des matières, enfin, la viscose est artificielle, mais ce sont des matières hydrophiles. Donc, on a besoin des colorants plutôt de différentes natures, hydrophiles, hydrosolubles, qui peuvent rentrer à l'intérieur de la fibre. Alors si vous voulez bien, je peux parler maintenant d'autres écotechnologies qui sont en cours de développement mais en partie déjà existantes par exemple pour euh, pour certaines fibres telles que les fibres synthétiques ou artificielles. Alors synthétiques, on a le polyester par exemple, le polyamide, on a des fibres artificielles telles que la cellulose régénérée, la viscose, etc. On peut incorporer le colorant ou le pigment dans le polymère avant d'extruder et former les fibres ou filaments. Ça s'appelle le dope dyeing. Dope dyeing, c'est-à-dire qu'on va introduire le colorant euh, dans le polymère avant la formation des fibres. Voilà, ça c'est le double dying Donc le, le, en fait, on ne va utiliser ni l'eau ni euh, énergie. L'énergie, ça doit être le même que l'énergie pour extruder le polymère. Et donc euh, voilà le, le problématique, c'est qu'il qu y ait une compatibilité entre ces colorants, ces pigments et euh, le polymère. Et aujourd'hui, il y a un nombre limité des, des, des colorants, peut, des couleurs qu'on peut obtenir avec euh, cette technique. Mais on voit, par exemple, chez Decathlon, par exemple, vous avez du bleu, bleu de certains types. Vous saurez que c'est plutôt, euh, on, on sait que ça c'est le dyeing classique des fibres de polyester, par exemple, sur les t-shirts de rugby, on le voit bien. Voilà, donc ensuite euh, on a d'autres technologies qui sont en développement, qui sont déjà utilisées par exemple dans des entreprises surtout en Asie, en Chine et en Inde, on prend l'exemple de spray dyeing. Alors spray dyeing c'est 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 c'est-à-dire en fait, lorsqu'on teint euh, un textile classique, on peut soit teindre dans une très grande quantité d'eau. Et ensuite, euh, par exemple, dans une cocotte minute, on met de l'eau, on plonge le textile, on le sort, on teint. Mais on, on peut aussi imprégner ce tissu euh, dans de l'eau qui contient le colorant et ensuite on force le colorant à rentrer à l'intérieur de la fibre. Donc euh, ça s'appelle imprégnation ou euh, par foulardage. Donc dans le spray dyeing, on va juste venir pulvériser l'eau colorée, euh, l'eau qui contient le colorant, on va le pulvériser euh, sur le textile. C'est comme vous voyez la pub lorsqu'on va peindre un mur. On Il y a des méthodes pour pulvériser la peinture sur le mur. Là, c'est pareil. C'est un spraying, mais qui est, qui est contrôlé euh, digitalement. Donc, euh, pour euh, bien contrôler la quantité de colorant qu'on va déposer à la surface textile. Donc, cette technique est en cours de développement en Europe, très peu utilisée dans les usines. Alors, l'avantage, c'est qu'on va utiliser moins d'eau, donc on va sécher moins. Moins le textile et voilà. Donc, moins okay. d'énergie et d'eau utilisée. Ensuite, pour, il y a aussi la technologie mousse. Euh, alors, il y a une entreprise qui a sorti un appareillage pour teindre le jean le hein, euh, avec cette technologie mousse comme par exemple il y a la teinture il y a beaucoup de femmes par exemple qui teignent leurs cheveux avec la mousse déjà colorée alors c'est la même technologie euh, on utilise moins d'eau du coup on sèche on a besoin de moins d'énergie pour le séchage alors pour euh, terminer, euh, il y en a d'autres. Il y a des technologies telles que les ultrasons et micro-ondes qui sont euh, en train d'être développées. Pour les ultrasons, par exemple, euh, en Chine, il y a des entreprises qui utilisent des ultrasons pour euh, teindre les fibres de laine avec des colorants naturels. Euh, sinon, pour terminer, je, je peux parler de l'impression par transfert. Donc euh, on imprime sur le papier et ensuite on va transférer euh, le colorant du papier au textile. Donc pour cela, il faut que le colorant soit d'abord imprimé enfin le motif soit imprimé sur le papier par l'impression jet d'angle, par exemple ou autre et ensuite ce colorant est transféré au textile en utilisant une température élevée et par pression euh, par un cylindre métallique par exemple. Donc l'avantage c'est que on n'utilise pas d'eau. Et euh, on n'utilise que du papier et euh, l'argument, c'est que ce papier peut être recyclable. Donc en plus de faire le motif, c'est classique, hein, l'impression par transfert. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi la teinture par transfert, c'est-à-dire qu'ils vont imprimer la même couleur unie sur euh, toute la largeur du tissu. Voilà, cette méthode est utilisée que pour le polyester avec des colorants qui peuvent sublimer, c'est-à-dire passer d'un état solide à un état de vapeur. En ce moment, il y a des, des, des recherches, des développements qui sont en cours pour l'utilisation de la pression par transfert sur des matières cellulosiques comme le coton ou le lin. Oui, on voit bien de toute façon que les enjeux sont de voilà d'économiser, enfin, d'utiliser moins d'eau et d'énergie quoi, pour réduire les impacts de, de cette étape de la teinture sur l'environnement. Il euh, y, a, y a aussi une autre, euh, autre chose dont on aimerait euh, dont j'aimerais parler, ce sont les colorants naturels. C'est un peu particulier. C'est est-ce euh, voilà, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Est-ce que ça fait partie des solutions Est-ce que euh, finalement euh, voilà, c'est un petit peu encore controversé euh, peut-être faire un, un, petit, voilà, un, un petit paragraphe sur ce que sont les colorants naturels et comment on les utilise aujourd'hui. Donc euh, depuis 2006, j'ai eu l'occasion d'encadrer plusieurs thèses sur les colorants naturels. Mmh. C'est pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Les colorants naturels, c'est assez complexe. Euh, bien que on a, on trouve, euh, on voit beaucoup de gens qui font un peu de cuisine dans un petit coin et qui appliquent euh, le procédé euh, traditionnel au procédé industriel, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, euh, mais on peut, on peut faire beaucoup de choses avec, en connaissant un peu, en, en ayant fait un peu d'état de l'art là-dessus. Alors, les colorants naturels sont extraits majoritairement de plantes. Bien sûr, il y a divers coloris disponibles hein, dans la nature. Et euh, l'avantage, c'est que ces colorants, comme c'est issu de la nature, la nature, c'est aussi les biodégradés. Donc, euh, quand on a des, des colorants qui sont dispersés dans l'environnement, on sait que ces colorants, ces molécules vont être biodégradables. Alors l'avantage, euh, ce qu'on a pu voir, c'est que la plupart de ces colorants ont des propriétés multifonctionnelles, c'est-à-dire que en plus de donner de la couleur, ça peut apporter des propriétés telles que anti-UV, euh, propriétés antimicrobiennes, ou il y a certains colorants qui sont aussi inifuges. Donc euh, c'est quoi l'avantage au niveau d'utilisation d'eau, d'énergie, par exemple, avec une seule molécule, si on arrive à avoir trois propriétés ou même deux propriétés, c'est beaucoup plus intéressant parce que, en fait, en entreprise textile, on va utiliser deux procédés ou trois procédés pour avoir deux ou trois propriétés fonctionnelles différentes. Donc, de ce fait, si on fait avec une seule molécule, on arrive à donner trois propriétés, on va éviter d'utiliser autant de procédés, autant de molécules, mmh. ouais, de procédés chimiques, d'eau et d'énergie. Okay. Mmh. Voilà. Effectivement, euh, donc on, les colorants, ça vient pas que de certains extrait des plantes, ça peut aussi provenir des déchets. Hein. Des déchets. Récemment, on a travaillé avec euh, dans le haut de france on a travaillé sur des produits biosourcés, par exemple euh, les déchets des plantes comme les épluchures d'oignons. J'ai su qu'on produisait des tonnes et des tonnes d'oignons dans le Haut-de-France, et donc on a pu récupérer beaucoup hein, des tonnages des plus chauds d'oignons et qui arrivaient à, à bien teindre euh, certaines matières textiles hein, sans rajout d'adjuvant. Chimique. Euh, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une demande très très élevée de, de ces colorants, à la fois par l'industrie textile, mais aussi par l'industrie cosmétique ou autre. Et du coup, euh, il y aura, ça va devenir un peu rare. Ah, pour euh, il y en aura pas assez en fait. Et voilà. Donc, au niveau, euh, il y a une chose qui doit aussi être prise en compte, c'est la toxicité. Parce que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément non toxique. Donc, comme les produits chimiques, ces molécules doivent passer par des tests d'écotoxicité de et de toxicité avant d'être validées. Et en plus, c'est beaucoup plus complexe parce que les colorants naturels, lorsqu'on extrait des plantes, ce n'est pas une molécule, mais c'est un cocktail de molécules, c'est-à-dire que dans l'extrait, le, dans on a plusieurs molécules. Et du coup, euh, ces molécules, lorsqu'elles lorsqu sont présentes dans le bain de peinture, ça peut potentiellement rentrer aussi dans la fibre. Et c'est peut-être ça aussi des fois qui donne des propriétés multifonctionnelles au textile. Et aussi, le fait que ça soit un cocktail de molécules d'extrait de plantes, on n'arrive pas à avoir toujours la même couleur lorsqu'on teint avec un extrait des plantes. Euh, surtout, ça va dépendre de, des régions, des années de culture, euh, la qualité du sol. Donc, on n'a pas toujours les mêmes pourcentages de telle ou telle molécule dans l'extrait. Et du coup, on peut avoir une hétérogénéité au niveau de la couleur par rapport à ça, quand même, il y a les vendeurs, par exemple, avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit, bon, il faut quand même des... réaliser des mélanges de colorants de plusieurs régions, plusieurs années de culture, afin d'avoir quand même un, une couleur assez homogène à fournir aux utilisateurs. alors, ce qui est compliqué, c'est souvent euh, on a des nuances claires. Il est difficile d'avoir des nuances foncées. et Les nuances foncées sont obtenues souvent en utilisant des mordants, des mordants euh, euh, plutôt aujourd'hui, des mordants métalliques. Les, méta les mordants, ça sert à mieux accrocher le colorant sur la fibre. Alors ces mordants sont importants surtout euh, pour les fibres cellulosiques. Hein, sur... Mais ces colorants naturelles teignent bien aussi les matières synthétiques et les matières artificielles. Donc euh, voilà, c'est il faut pas dire que les colorants naturels ne que les fibres naturelles, ça peut aussi teindre toutes sortes de fibres, de différentes natures. Les, les colorants naturels, aujourd'hui, on pense qu'on va atteindre comme la teinture dans une cocotte minute, c'est-à-dire en plein bain, à la traditionnelle, quoi mais toutes les méthodes, c'est-à-dire les autres méthodes par foulardage ou même les écotechnologies, peuvent être utilisées aussi pour teindre le textile avec ces colorants naturels. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà démontré que, par exemple, le CO2 supercritique, on peut utiliser pour teindre certains types de colorants naturels qui sont hydrophobes. Comme la curcumine ou autre. Et le, la mousse euh, a déjà été utilisée pour l'indigo naturel. Donc, euh, je veux dire, on peut allier les deux, les écotechnologies et les colorants naturels. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à toutes ces questions euh, et pour vos éclairages sur la question de la teinture euh, qui, euh, qui est assez complexe finalement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain épisode du podcast en mode circulaire de la chaire Care.